Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous retrouver pour vous présenter en fait les petites palettes de chez Marionneau. Donc sorties pour Noël 2014. Donc c'est la collection Il était une fois. Donc il se présente en deux palettes. Donc la première qui est la palette de jour, qui est juste super mignonne. Bon bah bien sûr, ils mettent les étiquettes, voilà, donc ça abîme un peu, mais bon. Moi le packaging, j'ai vraiment bien aimé. Donc toute simple, la jour donc est or quoi. Ensuite nous avons un grand miroir et les fards. Donc j'enlève le petit film de protection. Les fards n'ont pas de nom. Hop. Donc ça c'est une palette que j'ai vue en fait sur une vidéo YouTube hein, d'ailleurs. Je sais plus de qui. On me rappelle plus le pseudo. Mais je mettrai sa chaîne en barre d'infos parce que j'adore ses vidéos. Donc comme ça vous pourrez aller découvrir sa chaîne vous aussi. Donc je vais vous faire les swatchs. Donc pour ce qui est du packaging, bon voilà, je trouve que c'est correct franchement pour le prix. Vous entendez mes lardons qui se bastonnent. Je vais vous faire des petits swatchs. Le seul truc en fait, c'est que je trouve qu'ils sont pas larges. Alors moi j'ai des grosses mains et pour mettre les doigts dedans, c'est un peu chiant. On va pas non plus hein, faire tout un pataquès. Alors là, j'ai vraiment appuyé comme une dingue. Donc le premier. Donc c'est un marron cuivré. Il est super joli. Bon, je l'ai déjà swatché là, donc voilà. Il n'est pas poudreux, hein, c'est juste que j'ai vraiment appuyé fort. Hein. Il est très très beau. Le deuxième. Oui, je suis obligée de mettre mes doigts en travers en fait. Alors lui, le deuxième, il est juste trop beau aussi. Il est vachement lumineux. Oui. De toute façon, ils sont juste... dingue. Vous avez vu ça? Ils sont malades. Donc c'est que des fards quasiment cuivrés. Mais il y en a, non pas tous, mais il y en a quand même pas mal. Donc le troisième fard ressemble un peu au deuxième, mais avec des... dans, je sais pas. Il est un petit peu plus crème, plus rosé. Vous voyez? Là. Ensuite. Alors celui-là, quand je l'ai vu, je le trouvais. Enfin, je l'ai vu sur leur site. Hein. Il est poudreux déjà. Il est mat, c'est pour ça, je pense. Je le trouvais beaucoup, beaucoup plus rouge quand je l'ai vu sur le site. Mais en fait, il fait un peu marron rouille. Bon, il est très, très joli. J'ai mon chat qui veut rentrer. Mais oui. Donc ça c'est un blanc qui est mat également. Alors pour le coup lui il est moins pigmenté. Ou est-ce que c'est... Je le prends peut-être moins... Non il est quand même moins pigmenté. Vous voyez bon, je suis tellement blanche en fait que faut les voir quoi. Donc ça c'est les 5 premiers fards de la palette. Donc je me rince les mains, me lave les mains, pour pouvoir continuer mes petits swatchs. Je suis envahie d'enragé comme vous pouvez l'entendre. Alors ensuite c'est un très joli fard tout pailleté. Vous voyez en fait ça c'est la partie colorée, c'est la partie que j'arrive à rentrer dans la palette donc... Il vous faudra des pinceaux. Oh, il est trop beau en fait. Il est vraiment super pailleté. Super pailleté. Ouin, 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 ouin. Oh, j'en avais fait 6 en fait, j'en avais pas fait 5. Comment est-ce possible?
Je ne sais pas. Oh, les râleurs. Alors, le suivant est un gris anthracite, en fait. Très joli également. Après, c'est plus un vert. Un joli vert. Ouais, c'est un vert top. Voyez. Je suis vraiment désolée pour le bruit. Ils sont très sages, hein. Et le dernier, c'est un cuivré gris. Voilà pour la petite palette jour qui est juste super lumineuse. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, passons aux choses sérieuses. Où vous la procurez? Alors déjà, dans votre magasin Marionneau, si vous en avez un dans votre ville, ou tout simplement sur le site marionneau.fr. Je vous mettrai également l'adresse en barre d'infos. Cette jolie palette, je mets mes doigts tout plein de lingettes. C'est tout beau! Cette petite palette coûte 7 euros et des bananes, mais bonne nouvelle! Elle est actuellement à 4,74 €. Donc 4 euros quoi, les filles, foncez, foncez, elle est juste trop belle. Donc je vous invite à me donner vos avis sur cette petite palette ou aller la découvrir en magasin. Je vous fais des bisous et je vais aller calmer mes lardons parce que là ça va plus hein. Et je reviens pour la palette de nuit. Ciao. Recoucou, je reviens pour la suite. Donc, mes lardons qui sont en fait des bébés chihuahuas, vous le savez peut-être, sont juste super énervés. Ils ne pensent qu'à faire des bêtises et je crois pas qu'ils vont se taire pour la suite de ma vidéo. Donc, soit je la faisais pas, soit je la fais, mais vous aurez des petits bruits bizarres. Et je vous les présenterai encore une fois parce qu'ils ont vachement grandi. Vous verrez ces petites boules de bêtises. Donc on continue avec les petites palettes Marionneau et cette fois je vais vous présenter la palette de nuit. Donc il était une fois toujours. Donc le packaging est vraiment super mignon avec une petite citrouille, le petit chandelier. Alors que la jour c'était le petit lapin, la petite fée. Voilà, elles sont quand même super mignonnes. Et pour la palette de nuit, en fait elle est en argent. Donc, j'ai laissé le papier, là, parce que c'est con, là. Il colle sur la palette et après, ça enlève toute la couleur. Ça m'énerve, ça, hein. Pardon. Donc, pareil, j'enlève le petit... Oh, viens ici. Le petit film. Ah ! Pardon. Protecteur. Voilà ma réaction quand je risque de casser une palette. On retrouve toujours le grand miroir. Moi, j'adore. Et voici la bête. N'est-il pas merveilleusement belle? Et c'est parti pour les swatchs avec mes grosses paluches dans la palette. Alors, le premier. Le premier est un cuivré. Un taupe, on va dire. Il est très joli. Je me fais manger, godasse. Je ne sais pas si vous allez voir avec ma merveilleuse lumière. Ensuite, c'est un petit... Ah, il est... Mais alors, pour le coup, regarde-moi la lumière de malade, quoi. Un truc de malade, les gars. Ah, il est juste hyper méga lumineux. Regardez-moi ça. Franchement, ils ont fait des super phares. Moi, je connaissais pas du tout Marionneau. C'est ma petite chérie Amélie qui m'en a parlé. Elle m'a dit, oui, tu vas toujours chez Sephora, mais tu vas jamais chez Marionneau. Je lui ai dit, mais il n'y en a pas chez nous. Elle me dit, mais si, il y en a un. Je suis ok. Et elle m'a amené les deux palettes. J'étais juste trop contente et je pense que j'irai y faire un tour pour le coup. Ah, je fais que de dire pour le coup en ce moment et ça m'énerve. Donc là, c'est un petit marron or, on va dire, un peu gold, ouais. Il est très joli aussi. Il est juste... Oh là là! Il est cuivré. Oh, putain, pardon. Il est vraiment canon.
canon, canon. Et je suis vraiment surprise par ces petites palettes. Un petit ton plus foncé, le suivant. Oui, c'est toujours les deuxièmes, hein. Oh là là, et les filles, franchement. Ils sont pas canons. Ah ouais, franchement, franchement. Arrêtons de dire franchement. Alors, 1, 2, 3, 4. Mais j'ai fait quoi? Si, c'est ça. Je suis pas sûre d'avoir pris le bon. Je crois que j'ai repris le même. Merde! C'est lequel que j'ai pas pris alors? Je m'y perds dans ma fougue. Ça va être celui-là que j'ai pas pris. Ouais, c'est celui-là. J'avais pris son copain. Voilà. Donc ces deux-là sont les mêmes, on est d'accord. Désolée. Ils sont juste trop beaux. Ils captent la lumière, mais un truc de dingue. Vraiment. Regardez-moi ça. Avec le petit taupe qui est pas fort pigmenté, mais c'est parce que aussi je suis tellement blanche. On continue. Je vais essayer de pas me tromper. Ah, c'est galère pour prendre. Avec un pinceau, ça aurait été vraiment mieux. Oh, regardez-moi le rose cuivré, là aussi. Ah là là, il est beau. Il est beau, il est beau, hein. La fille qui est en extase sur chaque phare. Alors lui, il est mat ou il est pas mat? Il est cuivré également. Regardez, ça fait ressortir mes poils. C'est magnifique. Oh là là. Mariono, tu me plais. Tu me plais, tu me plais. Je te découvre avec... Oh, c'est pas le bon. Ben oui, c'est moi. Viens là. Ils sont trop beaux. Ah là là. Miaou. T'es pas un chat, bébé. Le tracteur, allez, on est au village. Hein. On est au village, les gars. Alors lui, il est... Merde. Cuivré, mais légèrement. Comparé à ses copains. Oh, hey. Pop, pop, pop. C'est de toute beauté. Et le dernier, c'est un noir. Je crois que c'est le même que dans la palette... dans la palette de jour. Oh non, il est plus foncé. Regardez-moi ça! Alors franchement, je sais pas vous, mais ils sont vraiment très très beaux, très lumineux. Regardez le blanc, vous voyez? Ils captent la lumière, c'est un truc de malade. J'en suis méga contente. Mais alors, franchement, pour le prix... Ah, mais paluche. Regardez. Je peux pas empêcher de vous la remontrer. Donc celle-ci, pareil, 7€ et des bananes, je ne sais plus exactement, pardon, mais actuellement à 4,74€. 4,74€, quoi. Il n'y a pas à hésiter. Elles sont vraiment top, top, topissimes, ces petites palettes. Je le redis, je signe. Elles sont juste... Viens là, chérie. Elles sont juste super belles. Je m'en mêle.
regardez-moi ça. Donc la jour et la nuit. Vous me voyez? Vous me voyez plus? Vous me voyez plus? Vous me voyez? Vous me voyez? Vous me voyez plus? Je pète un câble, mais je les aime, elles sont trop belles. Alors, vous allez craquer? Si vous allez craquer, si vous avez déjà craqué, laissez-moi un petit commentaire sur ces petites poupées qui sont juste trop belles. Donc, une jolie, jolie découverte. Je vous mettrai, comme je vous l'ai déjà dit, la chaîne de la... de la charmante jeune fille avec qui... avec qui? Non. À laquelle je suis... Oh, je sais plus parler. Je vous mettrai sa chaîne qui est juste top, où elle met... plein de vidéos sympas que j'aime beaucoup regarder. Je crache partout, c'est la fête. En barre d'infos, je vous mettrai aussi le site Sephora. Non, mais là... si je vous envoie chez Sephora pour aller acheter et pas être Mariono, on va pas y arriver. Comme quoi, j'ai l'habitude d'aller chez Sephora. Bon, j'arrête avant de dire encore plus de bêtises. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye! Bien sûr, le temps de finir ma vidéo... ces charmantes petites bestioles dorment. Alors on s'en fiche, on va les réveiller. Alors là, c'est le papa. Le petit bébé gâteau, c'est Jalito, le petit garçon. Que tout fatigué, regardez-moi ça. Alors il n'a pas froid, hein, les chihuahuas tremblent quasiment tous comme ça. Alors on remarque que ses petites oreilles commencent à se lever. Il est trop beau. Je vais les remettre à dormir avec ses sœurs et je reviens avec la prochaine. Même problème. Après avoir fait la fête, madame, elle dort. Donc là, nous avons la jolie Japan. Attends, ma belle. Pas que je te fasse tomber. Regardez-moi cette bouille de malheureuse. Japan. C'est madame. Alors elle, c'est madame, je me mets à part. Moi, je m'en fous des autres chiens. Je veux être avec les humains. Parce que c'est tellement mieux. Le canapé, les câlins, les bras, c'est tellement mieux. C'est un chien chiant? Non. Sauf quand je fais les vidéos. Oh, ma petite mère bisounette. Allez, tu vas faire ton dodo, on va chercher ta sœur. Me revoilà. Avec la pirate de tous les temps. Mademoiselle Jasmine, alias Pitbull Bulldozer. Ça, c'est la coquine. Nénette. Ça, c'est la petite coquine qui croque les pieds, qui fait des bêtises. Oui, moi, bon, c'est une goule d'amour. Regardez-moi ça. Oh non, je t'ai mis du rouge à lèvres. Ouh là là. Ça, c'est la plus coquine, ça. Et la plus petite de la portée. C'est le petit, la petite puce. Voilà. Elle prend ses mains. Ouh là là. Elle adore me mordre les oreilles, me mordre les pieds, me griffer. Qu'est-ce qu'elle aime encore? T'aimes faire quoi d'autre? Dis-nous. Dormir? T'aimes faire quoi? Comment on peut ne pas craquer sur un amour pareil? Voilà, donc mes petits lardons auront vendredi 1 mois et 2 semaines. Ils poussent super bien, ils sont super bien éveillés. Leurs petites oreilles commencent à se dresser. Ils sont chou. Ils veulent aller dehors mais ils sont trop petits. Donc voilà, pour les désagréments sur mes vidéos, ce sont ces petits trésors qui font les fous, qui se mordent entre eux et qui s'amusent tout simplement. Et voilà, donc ils sont tellement mignons qu'on leur en veut pas. On vous fait plein de gros bisous et merci de nous suivre. Abonnez-vous, hein. Vous allez quand même pas résister à ça. Allez, on vous fait des bisous et on vous invite à nous suivre sur notre compte Instagram dans la barre d'infos. Ciao, ciao. Oh.